C'est parti, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau Canapé Comics. Canapé Comics qui a fait une petite pause le week-end dernier, la semaine d'avant. Pour raisons professionnelles, j'étais beaucoup en déplacement. Mais ça y est, c'est le retour du Canapé Comics avec une émission spéciale en live, comme d'habitude, dans un premier temps, en live sur les réseaux sociaux, puis par la suite disponible sur YouTube et sur le blog Comics Heroes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent, l'administrateur du blog Comics Heroes et de la page French Comics Force. French Comics Force, une page Facebook dédiée entièrement au projet de comic book français et aux artistes de comic book français, que ce soit indépendants ou autres. Ce soir, justement, on va aussi mettre les comics français à l'honneur, les initiatives comics françaises à l'honneur, puisque l'objet de cette vidéo, c'est de faire le point et de vous présenter le nouveau spécial Strange, le numéro 116, ce nouveau spécial Strange, édité par Organic Comics et Original Watts, en partenariat, les deux éditeurs, j'ai envie de dire historiques, lyonnais, les héritiers des éditions Lug, qui se sont associés pour lancer ce nouveau spécial Strange. C'est vraiment la bonne nouvelle de l'année, et on a droit, j'ai envie de dire déjà, pour moi l'année a passé très vite, on est déjà quand même fin juin, à ce nouvel exemplaire qui est de toute beauté, regardez-moi ça, c'est beaucoup plus épais que les spéciales Strange qu'on avait quand on était gosse, entre guillemets. Là on a au programme au moins 97, on a plus de 100 pages de BD, on a 122 pages de BD, avec plusieurs équipes artistiques, plusieurs titres, et c'est ce que je vous propose de découvrir. En même temps, je vois qu'on a quelques viewers, j'ai une question pour vous, qui participez, alors qui regardez en direct ou qui regardez en replay, je voudrais savoir ce que ça représente pour vous, le retour de Spécial Strange. Donc s'il vous plaît, si vous êtes en live, répondez à cette question, vous répondrez par la suite sur les blogs, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Que représente pour vous le retour de Spécial Strange? C'est la question que je vous pose. Pour moi, c'est un grand bonheur, vraiment. Enfin, forcément, vu que je suis un enfant des années 80, c'est aussi un vrai plaisir rétro, vintage, on peut appeler ça comme on veut. Et surtout, j'ai envie de dire, la joie de découvrir de nouvelles séries. Tout d'abord, j'ai reçu le Spécial Strange. Ce Spécial Strange, pour rappel, il avait été disponible grâce à une campagne de financement participatif d'ailleurs du Laurent Artaud quelque part, là. Puisque c'est grâce à ces campagnes de financement participatif qu'Original Watts réussit à faire des précommandes et à financer ses produits de qualité. C'est un peu la marque d'Original Watts, mais maintenant aussi le savoir-faire d'Organic Comics, des beaux produits, des produits de qualité comics, des produits qu'on n'aurait pas si les éditeurs n'étaient pas là, ne présentaient pas ces produits. Par exemple, c'est ce à quoi on a eu droit avec Original Watts depuis quelques moments, depuis quelques années. Parfois, ça a un coût un petit peu élevé. Certains vont trouver ça parfois un peu élevé. Là, on est sur du 12 euros pour 122 pages. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle opportunité, un beau rapport qualité-prix. Donc, c'est édité par les sieurs, les équipes d'Original Comics et d'Original Watts. Au rédacteur en chef, on a donc du coup David Barnier, qui est le boss d'Original Watts, et Jean-Christophe Perrin, alias Riedman, qui est le boss de Organic Comics. Au comité de rédaction, vous avez Jean Depelé, Thierry Duranceau, Maxime, Jérôme et Rome. Chargé de projet conseiller artistique, c'est David Barnier. Création graphique, c'est Maxime Jérôme. Correction, Stéphanie Barzazzi. Et on a des articles éditoriaux de Jean Depelé et Fabrice Vernier, alias Dr. Man, pour ceux qui le connaissent. Fabrice, si tu es là en live, fais-nous une intervention, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir, je sais que tu participes, et que parfois, en tout cas, tu viens voir les répés, et que tu arrives même parfois à être là pendant les fameux lives. Au sommaire, plusieurs séries, pas mal de choses inédites. On commence avec Fantastic Force. Fantastic Force, c'est la dernière série en date du King de Jack Kirby. C'était donc scénarisé par Jack Kirby, Michael Thibodeau et Richard French, que je ne connais pas. Au dessin, c'est Jack Kirby et Michael Thibodeau. À l'ancrage, Martin Lazic, Michael Thibodeau. Et puis aux couleurs, on a Richard French, Jim Arden, Riedman, d'accord, donc plusieurs intervenants, dont notre Riedman national. Traduction, Jean Depelé. Donc, voilà ce premier épisode, c'est du Jack Kirby, pure souche, c'est le dernier travail, la dernière création signée Jack Kirby. Ça avait été publié chez Image Comics aux US dans les années 2000. Et donc, on va découvrir un nouveau titre, ce nouveau titre, c'est la Fantastic Force.
Dans ce premier épisode, on va surtout y avoir une introduction avec un nouveau personnage qui s'appelle Mystico, une sorte de personnage un petit peu divin. Et puis surtout la révélation et l'apparition, je pense, du grand méchant de la série qui s'appelle Darkfire. Ce Darkfire qui arrive sur Terre avec forcément de très mauvaises intentions. Ah bah il y a Pierre. Salut Pierre. Pierre qui nous dit que dans ce nouveau spécial étrange, les articles éducatifs ont été remplacés par des articles sur l'histoire des comics. C'est vrai et je trouve ça vachement intéressant, on va y revenir. Quelque part ça fait plaisir, on est complètement d'accord Pierre. C'est aussi une des forces de ce magazine, vous verrez tout le rédactionnel qu'on peut avoir en plus. Donc je reviens sur cet épisode, un épisode introductif où on découvre la grande menace de cet univers et ses comics. Et on aperçoit certainement les personnages qui vont composer, les héros qui vont composer par la suite la Fantastic Force. Ce sera à suivre dans la suite du Spécial Strange, puisqu'on est sur ce premier chapitre, qui est vraiment un chapitre introductif. Donc, premier épisode complet. Et à la suite de tout ça, c'est ce que disait Pierre en intervention, il a raison, du rédactionnel sur l'histoire des comic books. Là, on est clairement dans le making-of de Fantastic Force et le vécu et l'histoire de Jack Kirby. C'est signé Jean de Pelé et moi j'adore tout ce rédactionnel qui est fait. C'est pas qu'une ou deux pages, c'est vraiment parfois 5-6 pages où on a droit à des interviews, on a droit à l'historique, le pourquoi du comment, vraiment de ces projets, de ces séries et puis un rappel sur les artistes. À la suite de ce Fantastic Force, encore une fois signé par Jack Kirby. Pendant que j'y pense, Pierre Champion, tu es en live. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le retour de Spécial Strange? C'est ta question et c'est la question que je pose à tous ceux qui vont regarder cette émission en live ou en replay. Pierre, c'est à toi de jouer. Une fois qu'on a eu une Fantastic Force, on a droit à une série qui avait déjà été publiée par Original Watts, mais je pense que peu la connaissent. C'est l'avantage de la mettre dans Spécial Strange. Ça s'appelle Mighty Titan. Et Mighty Titan, c'est un super-héros iconique. Vous le voyez, une sorte de Superman. Blondiné, un mix peut-être entre Superman et Captain America, super-héros très iconique qui affronte un super vilain plutôt en lien avec la technologie. Salut Stéphane, salut Pierre, très bon ce Spécial Strange. On a Stéphane Le Carré qui intervient. Pareil Stéphane, une question pour toi, qu'est-ce que ça représente le retour de Spécial Strange? C'est à toi de jouer. Donc on a les premiers épisodes aussi introductifs de ce fameux Mighty Titan. Mighty Titan, un nouveau super-héros, un super-héros créé par, alors je retrouve exactement le nom, Joey Martino, à la création scénario. Les dessins sont de Luca Cicchetti, l'ancrage est de Jeff Austin, les couleurs sont de Betancourt et Magnaï, et la traduction de Jeremy Werner et le lettrage de Maxime Jérôme. Donc, on y aperçoit ce fameux super-héros, et en parallèle, on aperçoit un ancien... Elle est policier scientifique, un ancien membre de la police scientifique avec sa vie de famille. Et on voit en parallèle la vie de Mighty Titan. Et à la fin de cet épisode, on voit aussi une sorte de menace, certainement un super vilain. C'est le fameux super vilain qui utilise, exploite des jeunes pour en faire des sortes de soldats technologiques. C'est ce qu'on pense comprendre dans ce premier épisode. Et à la fin, on a droit à un coup de théâtre. Un coup de théâtre, même une révélation. Donc, que je ne vais pas vous en montrer plus pour pas vous spoiler, sur ce premier épisode de Mighty Titan, ma foi très classique, c'est du super-héros, c'est très bien dessiné, c'est très bien mis en couleur, là encore, vivement la suite. Moi j'avais lu ce premier épisode, mais c'est vrai que c'était un coup de trop peu, puisque ce premier épisode va se terminer sur vraiment un coup de théâtre, donc on a envie de lire la suite, donc la suite ce sera pour Spécial Strange numéro 216. À la suite de tout ça, on a encore un article consacré cette fois à l'histoire de l'équipe de Lug, avec un hommage qui est rendu finalement à Paulette Genin, qui était la dame qui mettait les lettres, qui faisait la... comment on appelle ça ? Qui faisait le lettrage, excusez-moi, des bandes dessinées Lug. On a droit à un interview de Jean-Yves Mitton, témoignage de Jean-Yves Mitton, et un autre témoignage de Riedman, puisque Riedman, qui est aujourd'hui dans la rédaction en chef de ce magazine, était à l'époque des éditions Lug, avait travaillé pour Lug sur les dernières années. Derrière tout ça, on a un épisode que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Micros versus Maelstrom. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est du Micros, déjà depuis que je suis gosse, j'adore Micros, qui est scénarisé par Jean-Yves Mitton. Et moi, je trouve que Oliver Hudson a fait un travail remarquable au dessin et aux couleurs. Tes couleurs, Olivier, elles fonctionnent super bien. Moi, je trouve que ça met encore plus en valeur ton dessin que j'avais, moi, en noir et blanc, puisque j'avais acheté l'épisode en noir et blanc. Donc c'est un doublon, mais que je ne regrette pas, puisque la couleur rajoute vraiment un relief supplémentaire
une couleur style années 80 qui est vraiment waouh. Moi j'aime beaucoup beaucoup cet épisode. Je crois que mon épisode préféré de la revue, c'est celui-là, c'est le Micros versus Maelstrom d'Olivier. Pourtant je l'avais déjà lu, je l'ai déjà, mais en version couleur, voilà, c'est regardez-moi ça, c'est le top du top. Ça fait un effet qui nous rappelle les couleurs, tiens, je suis beau comme ça, des années 80, mais avec la technologie moderne, et c'est vraiment, pour moi, c'est une super réussite. Tout simplement, cet épisode, pour moi, c'est une super réussite. L'épisode en soi, c'est Micros versus Maelstrom. Maelstrom qui est plus un méchant qui doit être en lien avec l'univers photonique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de photonique. Et on y revoit Micros, Saltarella et Krabi devoir affronter un super vilain qui a des pouvoirs sur tout ce qui est géologique, sismique. Donc, il faudra lire l'épisode pour en savoir un peu plus. Donc voilà, je vous montre quelques dessins parce que je les trouve vraiment super chouettes avec les couleurs. Olivier, c'est vraiment du très bon travail ce que tu as fait. On est dans un style qui est aussi très proche de celui de Jean-Yves Mitton. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un hommage à Jack Kirby par ici, là. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc c'est super chouette, c'est vraiment un très très bon épisode. Je reviens sur une intervention de Pierre. Pierre qui me dit que le retour spécial Strange pour lui, c'est la concurrence sur l'île. Je ne sais pas si j'ai le droit de me prononcer. qu'est-ce qu'il me dit? Je ne vois pas. Ça me donne envie de... Ah oui, plus sérieusement qu'il ne s'agit, puisqu'il ne reste que le nom. Mais ça donne envie de découvrir de nouvelles séries et de mettre en avant les comics sous forme de magazine. Voilà, donc Pierre, ce qu'il retient, c'est que c'est à nouveau un magazine souple. Et voilà, c'est découvrir de nouvelles séries. Moi, ce que je rajouterais en plus, c'est que c'est quand même un hommage aussi aux éditions Luc des années 80-90, puisque même si on n'est pas sur la suite des séries, on a quand même Micros, donc qui est une suite des séries qui avait été publiée. Et puis on a tous ces articles, tous rédactionnels, qui est là pour nous réexpliquer un peu, nous faire revivre et nous faire témoigner de la décennie, des décennies des années 70-80-90, c'est la grande ère, l'âge d'or, j'ai envie de dire, de Luc. Merci Pierre pour ton intervention. Suite à l'épisode 2, Micros, dont une des variantes cover était réalisée par Bob Layton. On a droit encore à un bel article sur Bob Layton, sur sa carrière, sur même sa personnalité. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que je connaissais les dessins de Bob Layton, mais je ne connaissais pas du tout son histoire à ce garçon. C'est le Bob Layton qui, pour moi, a dessiné les armures d'Iron Man, qui a dessiné Hercule. Et au final, on s'aperçoit que c'était pas vraiment un dessinateur dans l'âme, qu'il a eu plutôt une autre. Salut, Kalel, bienvenue. Ah, il a réussi à récupérer Special Strange chez Album. Super. Très, très bien. Je ne sais pas si tu as eu la question. Cal, il faut répondre pour toi. Qu'est-ce que ça représente, Special Strange? Ok. Je suis en train de lire ce que m'a mis Cal comme commentaire pour lui. Super positif sur les séries de Kirby, le retour de Micros. Un petit mébol sur un scénario pour l'instant un petit peu introductif d'une série dont je vous parlerai après. J'arrive pas à lire, je vais le trouver l'idée de base, ouais, donc j'arrive pas à lire puisque j'ai les commentaires et c'est un petit peu long. Franck le chroniqueur, l'orniqueur, pardon, bonjour, bienvenue. Franck, Kalel, vous venez d'intervenir, je vous en remercie. Une question pour vous, que représente le retour de Special Strange? Et puis je vais continuer mon live. Avec cet article de Bob Layton, avec des couvertures, je crois, un peu inédites auxquelles on a droit pour cet article. Regardez, on a le Hercule de Bob Layton. Hercule, ce Hercule-là, cette version-là, qui est arrivée en jouet chez Marvel Legends, elle est de toute beauté. Vous allez la trouver dans les albums comics, les pulp comics. Je l'ai vu ce week-end à Paris, j'étais à Paris. Moi, Kalel, c'est dommage, on ne s'est pas croisé. T'es arrivé avant moi et moi, je suis arrivé un petit peu après toi. Donc, il y a une super figurine qui rend hommage au Hercule des origines de Bob Layton qui va arriver dans les magasins. On devrait l'avoir dans les Pickwick Toys et autres enseignes. J'avoue que je dis Pickwick Toys, mais dans les enseignes de jouets. Prochainement. Et donc, on a droit encore à plusieurs pages qui nous présentent la carrière de Bob Layton. On a d'abord un article signé Jean de Pelé, un article qui est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages quasiment. Et après, un interview réalisé par Fabrice Docterman, pour ceux qui le connaissent, Fabrice Vernier. Fabrice, t'es pas sur mon live? Je voulais t'avoir en live. Donc Fabrice, super, super beau travail cette interview. Je serais curieux de savoir quand est-ce que tu l'avais faite. Ça doit être marqué, j'ai peut-être oublié, je m'en excuse si c'est ça. Si tu pouvais, le 23 février 2022, donc non, c'est récent. Fabrice a dû interroger Bob Layton. Donc Fabrice, j'aimerais bien savoir si tu l'as fait en live ou si ça s'était fait par correspondance. Si tu peux nous donner des infos, on est preneurs.
Alors, qu'est-ce que j'ai des... salut Stéphane. Qu'est-ce que j'ai... J'ai Kalel qui me dit que Special Strange est le Graal de ses 10 ans. Donc voilà ce que ça représente pour lui. Franck, il va dire, je vais le tester en retour dans mes jeunes années que j'ai découvert fin des années 70. Donc Franck, je comprends que tu l'as peut-être pas encore lu. Donc quand tu l'auras lu, tu auras droit de nous dire ce que tu en penses. Voilà, donc vraiment, ça, là, cet article sur Bob Layton, pour moi, ça a été un des grands moments du magazine, vraiment. C'est un artiste qu'on connaît tous de par ses dessins, dont on entend souvent parler, dont on connaît le nom, parce que je pense que Bob Layton, c'est quand même un des grands de cet univers. Mais moi, je n'avais pas du tout en tête tout son parcours, et comme quoi c'était plutôt un encreur. Je le voyais comme étant un des dessinateurs de Marvel et d'autres, bien sûr. Mais maintenant, j'en sais plus sur lui, et bah, c'est grâce à Spécial Strange, merci à eux. On finit avec la série The Orb. Donc The Orb, nouvelle série complètement inédite du super-héros. Du super-héros avec à la frontière du super-héros cosmique et à travers les âges. Alors, quelqu'un qui demande dispo chez Album à Paris, Franck, de quoi donc qui est disponible? Special Strange? Certainement qu'il doit être dispo chez Special Strange, mais tu dois. Chez Album à Paris. Tu dois l'avoir aussi chez Original Comics. Je crois que je l'ai vu chez Original Comics. Je suis allé à Original. Je fais tous les comic shops de Paris quand j'y étais dans le 5e. Tu les as chez Original Comics. Tu dois l'avoir, à mon avis, dans tous les comic shops parisiens. Je reviens sur The Orb. Donc Thierry Lancelot au scénario. Je ne vais pas écorcher le nom de son dessinateur. C'est Chris Orpiano, pardon. Avec Thierry Lancelot, donc en traduction, avec les supervisions et logos de Olivier Hanson. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est sur une nouvelle série qui se lance avec un épisode introductif pour The Orb. Je sais que je crois que c'est Kal-El qui disait qu'il était un petit peu, il avait trouvé un petit peu confus, qu'il y avait beaucoup de choses sur The Orb. C'est un épisode introductif dans lequel il y a plein plein de choses, c'est vrai. Donc je pense qu'on rentre directement dans l'action. On voit aussi, on découvre que The Orb, c'est une histoire de super-héros qui se déroule à travers les âges. C'est du cosmique. C'est pour l'instant aussi des intrigues un peu temporelles. C'est vrai que ça va très vite dans ce premier épisode, dans ce premier chapitre. Je pense que les auteurs ont voulu rendre quelque chose de très fun et du coup que ça rentre rapidement. Il y a beaucoup de personnages qui apparaissent et c'est vrai que peut-être pour rebondir sur ce que disait Cal, ça va peut-être un petit peu vite. Donc voilà, mais il y a des personnages qui ont l'air super intéressants. Le titre a l'air d'être vraiment plein de potentiel, donc ben moi, bien sûr, comme d'hab, j'attends la suite. On est sur un premier numéro, sur des épisodes introductifs. Donc, ce qu'il faut y voir, c'est tout le potentiel et toutes les promesses qu'on peut avoir sur toutes ces séries. Moi, j'aimerais avoir dans le prochain spécial Strange, parce que vous m'irez à un moment, vous m'écouterez, vous me regarderez, David et toute l'équipe. Ce serait peut-être un peu de rédactionnel de la part de Thierry Lancelot ou de son équipe sur justement le projet de The Orb. C'est super intéressant. Là, vous avez fait du très bon travail rédactionnel sur toutes les séries. Moi, j'aimerais peut-être avoir aussi du rédactionnel sur Micros, la suite, sur le travail d'Oliver Hudson, sur Micros, savoir comment il en est arrivé là, ce qui va devenir. Je pense que Oliver va être peut-être amené à faire plus d'épisodes de Micros. D'ailleurs, que va devenir Micros? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura une suite sur les épisodes un peu historiques? Est-ce qu'on va repartir de zéro? C'est vrai qu'il y a une sorte de reboot, voilà, avec peut-être un peu pour un public un peu plus adulte qui aujourd'hui, comme moi maintenant, a presque 50 ans. On serait certainement intéressé d'en savoir plus, mais je suis persuadé qu'on aura droit à tout ça dans la suite, dans le deuxième numéro de Spécial Strange. D'ailleurs, on nous voit à la fin de la pub pour Original Comics et... Non, Organic Comics, excusez-moi. Et Original Watts, et on a la couverture du deuxième Spécial Strange numéro 2, une super belle couverture qui met en avant Mighty Titan, mais attention, si c'est comme pour la première campagne, on aura droit à plusieurs couvertures pour les Spécial Strange à venir. Donc voilà, j'ai fait le tour sur tout ce qu'on avait pu trouver dans Spécial Strange, le nouveau Spécial Strange. Moi, j'aime beaucoup des nouvelles séries, de l'inédit, des choses qui reviennent sur le devant de la scène, qui sont même peut-être meilleur que le travail original. Moi, là, je parle encore de ce qu'a fait Olivier sur Micros versus Maelstrom. Du super rédactionnel. Vraiment, ça, c'est vraiment la très très bonne surprise. Salut Olivier, bienvenue Olivier pour ce canapé comics. Olivier, on a fait un canapé comics entièrement dédié à Spécial Strange. J'ai une question pour toi, Olivier. C'est que représente pour toi le retour de Spécial Strange? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Le retour de Spécial Strange, mais bien sûr, c'est une question que je pose à tous les viewers. Si vous n'avez pas répondu, merci de me faire part de votre réponse par rapport à ça. Maxime, bonjour Maxime.
On a déjà bouclé. Ah, bah super, Maxime, fait partie de l'équipe spéciale Strange. Merci, Maxime, puisque vous avez vu un peu en ce moment, c'est quand j'ai du temps que je me lance sur les canapés comics. C'était très short, j'ai pu prévenir personne. Donc, chers spectateurs, sachez que voilà, j'ai lancé mon canapé comics, mais j'ai pas eu le temps de prévenir le team de Spécial Strange et Maxime qui intervient. Merci, Maxime, qui dit qu'il a déjà bouclé. Ils ont déjà bouclé le chemin de fer du numéro 2. Alors, j'arrive pas bien à lire, on verra. Pour The Orb et Olivier Hudson dans le troisième numéro. Super. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà prévu leur rédactionnel. Merci Maxime pour ces précisions. Effectivement, écoute, moi personnellement, si vous me demandez mon avis, vous me le demandez pas, mais je vous le donne. Et j'aimerais en savoir plus, ouais, sur Olivier, sur The Orb, c'est des séries en plus. Là, vous nous avez fait du super travail sur Bob Layton, sur les auteurs historiques, c'est top. Et j'aimerais en savoir un peu plus, moi, sur les auteurs français, finalement, du coup. Pas de soucis. Et puis, bien sûr, sur Jean-Yves Mitton. Ceux qui ne connaissent pas Jean-Yves Mitton, peut-être refaire une présentation de Jean-Yves Mitton. Alors, Olivier qui nous dit que le retour de Spécial Strange est une tranche de sa jeunesse. Il n'a pas eu l'occasion de les lire, mais ça viendra un moment ou un autre, j'en suis persuadé. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce Spécial Strange. Maxime, pendant que tu es là, bah tiens aussi, à toi je te pose la question, parce qu'en plus tu fais partie du team, du staff, oh, excusez-moi, j'y arrive plus. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le retour de Spécial Strange? Et Maxime, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la suite, sur les délais pour le numéro 2? La question que je me posais aussi, c'était est-ce que ça cartonnait? J'ai cru comprendre que ça cartonnait, qu'il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires en stock. Donc tant mieux, si c'est le cas, félicitations. Est-ce que tu peux nous apporter des renseignements, Maxime, sur 1. Les ventes de ce Spécial Strange, est-ce que pour vous c'est un succès? Est-ce que si c'est épuisé, est-ce qu'il y aura une réimpression? Et puis sur le 2, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les délais et le contenu, sachant qu'il est aussi indiqué ici, je vais le lire pour mes viewers, que dans l'épisode, dans le numéro 2, vous retrouverez donc la suite de Fantastic Force, le Mighty Titan, je ne suis pas très bon en anglais, and the Orb, et on retrouvera aussi le premier épisode de Super Alwilda. Moi, Super Alwilda, j'avais trouvé ça très bien, je l'avais lu en noir et blanc, ici, dans le Mustang, le spécial Mustang 40 ans, j'ai beaucoup aimé, ça c'est pareil, il y a un premier épisode, mais là ça me hype vraiment beaucoup pour la suite, et puis si en plus c'est en couleur, je suis quasiment sûr que je vais adorer ça. Alors Maxime qui me répond, spoil, il y aura un petit focus sur les deux épisodes du Silver Surfer de Jean-Yves. Merci Maxime, donc on aura du rédactionnel sur une tranche d'histoire comics, une tranche d'histoire comics internationaux, puisque effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Yves Mitton, le dessinateur créateur de Micros, a aussi réalisé certains épisodes avec des personnages américains Marvel, puisqu'à l'époque, au niveau des droits, c'était peut-être moins clean ou moins clair. C'est pas une question de clean, c'est moins clair et cadré qu'aujourd'hui. Et donc, ils avaient pu, les éditions Lug, utiliser le Silver Surfer pour quelques épisodes inédits. Et je pense que c'est Jean-Yves Mitton qui avait travaillé là-dessus. Mais Maxime nous le précisera, bien entendu. Olivier, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il verrait bien une série sur un combattant de Jiu-Jitsu brésilien MMA ici du Nord. Un accent particulier en anglais. Une série sur un combattant? Il a fait les séries Epsilon. Oui, Olivier, Jean-Yves Mitton a fait les séries Epsilon. Tout à fait, le fils de Micros. Puisque finalement, on a commencé par Micros, l'histoire de Micros, et la suite, quelques années après, dans une sorte de futur apocalyptique, c'est l'histoire d'Epsilon. Alors moi, je n'ai pas suivi Epsilon en entier, comme j'avais été abonné qu'une année sur Titan. J'ai quelques épisodes d'Epsilon, mais hélas, j'ai jamais connu la fin d'Epsilon et le destin d'Epsilon. Epsilon, le fils du Psy et de Saltarella, ou peut-être le fils de quelqu'un d'autre, qui est donc le fils du despote planétaire qui veut à un moment s'émanciper et qui, bien sûr, partira pour devenir plutôt un héros et essayer de libérer la planète de la dictature de son père. Alors, Maxime qui nous dit aussi qu'on aura droit à un article sur Bob McLeod, et une petite partie d'interview du regretté Neil Adams. Ah, ben ça, c'est une très bonne idée, qui évoque Kirby, mais il n'en dit pas plus. Mais nous, on veut tout savoir, Maxime. Tu sais comment on est. De toute façon, on n'est pas 50 000 viewers. Tu peux tout nous dire, nous, ça ne sortira pas des réseaux sociaux. Merci, Maxime, pour ces infos. Super, super, très bien. Bob McLeod, est-ce que je dis une bêtise ou c'est pas Bob McLeod qui dessinait les Nouveaux Mutants avec la saga de New Roma et le début des Nouveaux Mutants? Est-ce que c'est ça, Maxime? Tu peux peut-être me le confirmer? Si c'est ça, effectivement, ça risque encore d'être du super rédactionnel. Donc, c'est ce que disait... Qui me disait ça aussi, un de mes viewers, c'est que ce qui est intéressant, c'est que du coup, ah oui, c'est Pierre, excuse-moi, Pierre,
Au lieu d'avoir des articles éducatifs, à l'époque, dans nos spéciales tranches, on avait des articles sur la technologie, les voitures du futur, la téléphonie du futur, la télévision du futur, des articles sur l'histoire. Aujourd'hui, le rédactionnel est entièrement consacré aux comics. C'est ce qu'on aime, nous qui étions les enfants des années 80. On a grandi en ne sachant pas faire. Moi, je ne savais pas faire la différence entre une BD de super-héros et un comics. Pour moi, des comics, c'était des BD de super-héros. En arrivant à la fac, j'ai découvert qu'il y avait des comics VO. Je n'avais même pas plus réfléchi que ça. Finalement, j'ai découvert aussi qu'il y avait Image Comics. Il n'y avait pas que Marvel et DC. Il y avait des comics dont j'avais jamais entendu parler. C'était Malibu Comics. C'était Dark Horse Comics. Et puis, ça a été le phénomène Image Comics. Voilà, et donc du coup, on a tous grandi, on s'est tous créé une culture comics. Aujourd'hui, les comics, c'est quand même le divertissement numéro un planétaire, même si hélas, au niveau papier, c'est pas encore une le gros succès. En tout cas, en France, on n'est que 4% du marché de la bande dessinée, ce qui explose tout en bande dessinée en France aujourd'hui, c'est les mangas. J'ai envie de dire tant mieux, il en faut pour tout le monde. Je pense que les comics, c'est plus pour ma génération. Les mangas, clairement, c'est pour la génération des plus jeunes. Hein. Ah, Maxime qui intervient. Merci Maxime. Il faut que j'arrive. Sinon, ce premier numéro est une belle réussite en termes de vente. Ah, super, merci. C'est prometteur pour la suite. Bob est bien à la création de New Mutants avec la remonte. Merci Maxime. Je savais que le nom me disait quelque chose. Un dessin très particulier et très, moi j'aimais bien, très, très classique ce Bob McLeod avec les débuts des Nouveaux Mutants et moi ma saga, une de mes sagas préférées des Nouveaux Mutants, la saga New Roma. Ça c'est des trucs qu'on voyait vraiment dans les X-Men, dans les Nouveaux Mutants, où vous avez l'impression de rentrer dans un univers alternatif, où vous allez découvrir une terre secrète comme la Terre Sauvage, ou à l'époque, puisque les X-Men avaient la Terre Sauvage et Quasar, et les New Mutants avaient New Roma, avec la future Amara, etc., etc. C'était vraiment une très grande époque de comics à ce moment-là. J'avoue que là, j'ai une petite vague de nostalgie qui me revient. Voilà. Olivier qui me dit qu'en France, on est 6000 lecteurs, 6000 de lecteurs en comics, c'est ça? Il y a trop d'offres, il y a une offre énorme de comics, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas tout lire, tout acheter, vous voyez, même moi... Pourtant, moi, depuis que je fais mes émissions, j'achète encore plus qu'avant, forcément, pour essayer de trouver de suivre l'actu. Mais effectivement, il y a plein de choses que je ne lis pas. Alors, moi, je suis un fan de super-héros de mainstream, donc du coup, je me contente du super-héros du mainstream. Mais déjà, avec ça, j'arrive pas à tout lire. Maxime qui réintervient en me disant que pour le numéro 2, une date de sortie officielle le 15 septembre. Ah, très bien, il reste un mois pour travailler dessus et l'envoyer à l'imprimeur. Mais du coup, il y aura une campagne de financement participatif, j'imagine, Maxime, pour ce numéro 2. Olivier qui dit que Panini devrait sortir un omnibus avec tous les épisodes de Burn, des X-Men et des Vengeurs. Oh, à un moment ou à un autre, ils vont y arriver. Vu la nouvelle tendance des omnibus, enfin, moi, je sais pas pour vous, mais François Maillet, si tu me regardes, tu vas me souvenir, l'un des plus grands artistes comics de notre génération, moi, c'est John Byrne. Moi, les deux plus grands artistes, ils ont choisi sur vous. Deux. Sur toute la période de ce que j'ai lu les comics, mais attention, j'ai pas tout lu ce qui existe des comics. Hein. Moi, je choisis John Byrne et Jim Lee. Alors, je choisis John Byrne dans l'ordre parce que chronologique. Je pense que mon dieu des comics, honnêtement, c'est Jim Lee. Mais John Byrne, c'est le maître pour moi. Donc, j'imagine que Panini va nous offrir des omnibus John Byrne. En plus, ils font un omnibus Fantastic Four, ils font un omnibus She-Hulk, ils font un omnibus un peu John Byrne et tout. À un moment ou à un autre, on va avoir ça. Beaucoup de parutions actuelles aujourd'hui en VF, effectivement. Alors, un mal, un bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout suivre, on ne peut pas tout acheter. Moi, ma sélection personnelle, c'est les séries mainstream Marvel. Donc, avec le Marvel Comics, finalement, j'y trouve tous mes épisodes de Avengers. Quelques albums par-ci, par-là, Captain Marvel, Moon Knight, deux, trois petites choses comme ça. Et par contre, je me relance dans DC avec tout ce qui est la gamme Infinite que je trouve très, très bien. Moi qui suis pas très Batman, je me mets à lire du Batman alors que du Batman j'en ai quasiment pas. Alors Maxime qui revient en me disant sur le site directement une campagne Ulule tous les 3 mois pour Spécial Strange, impossible, d'accord. Aurait fallu le faire, oui c'est ça, il me semble que ce sera un peu tard, mais on a réfléchi à un abonnement dès le numéro 3. D'accord, ah oui, donc merci Maxime qui nous. Alors j'ai essayé de voir si j'arrive à afficher tout le texte de. Oui. Maxime, en décembre. Donc Maxime nous informe que pour la suite, ce ne sera pas une campagne de financement participatif pour le numéro 2. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le super poster de Paul Renault qu'on a eu. Hein. Donc ce sera à commander directement en correspondance sur le site d'Original Watts et d'Original d'Organic Comics. J'y arrive pas, excusez-moi. Sur le site Spécial Strange, tout simplement. Et bien, écoutez, je pense que ça va encore cartonner.
Oui, alors je lis Olivier qui me dit que je lis pas Batman, je lis Ghostmaker. C'est un peu vrai, j'avoue. Et là, je me suis acheté à 4,90 € le Curse of the White Knight, donc la malédiction du Chevalier Blanc. Mais comme c'est la suite de White Knight, eh ben c'est tout. J'ai acheté White Knight à 23 €. Bon, du coup, avec l'album à 4,90 €, ça ne fait pas une trop grosse dépense. Et j'ai adoré White Knight, effectivement. Ça pourrait être le récit ultime, finalement, de Batman contre le Joker. Mais enfin bon, je vais en reparler, je pense, lors de mon prochain canapé comics, donc je n'anticipe pas. Voilà. Ça, je vous donne rendez-vous certainement, peut-être même cette semaine. Je vais essayer de rattraper un peu le retard et refaire une émission dans la semaine de Canapé Comics dans laquelle je vous parlerai du White Knight et du dernier défi illustré. Le Cochon Hulk Challenge est terminé et je vous présenterai les vainqueurs du défi illustré Cochon Hulk. Pour l'heure, je vais en terminer avec Spécial Strange. Merci beaucoup, Maxime, d'être intervenu. À l'occasion, si tu es sur un salon sur lequel je suis aussi, viens me saluer, s'il te plaît. Je crois pas que je t'ai déjà rencontré, ou alors je ne t'avais pas identifié, je m'en excuse si c'est ça. Je sais que David, à chaque fois que je le vois sur les salons, bien sûr, on se salue, on prend le temps d'échanger un peu sur nos projets. Maxime, ça me ferait très plaisir de te rencontrer en vrai. Voilà. Messieurs les viewers, voilà ce que je peux vous dire sur Spécial Strange. C'est enfin de retour, c'est disponible. C'est un sacré magazine de 122 pages avec des séries inédites ou des séries qu'on ne trouverait pas sans les initiatives comme celle-ci qui sont menées, portées par Organic Comics et Original Was. Donc moi j'ai envie de vous dire toutes et tous, surtout merci aux équipes de ces deux éditeurs. Merci de ramener Spécial Strange. Vous l'avez vu, on a aussi... on a envie de découvrir la suite de toutes vos séries, tous vos épisodes. On a même des idées, on aimerait voir d'autres choses en rédactionnel. Donc voilà, comptez en tout cas sur moi pour la suite. Moi, je sais que je soutiendrai Spécial Strange numéro 2. Maxime, on profite pour donner une news. Rendez-vous à Chambéry en octobre ou mon festival Pop Comics à Dijon la semaine d'après. Maxime, tu organises un festival de comics? Tu sais que je fais partie de North Star Comics. À North Star Comics, ils sont vachement bien comme éditeurs. Il y a moi dedans. Le reste, on s'en fiche un peu, mais il y a moi. Donc tu peux m'inviter. Je viendrai si tu m'invites, Maxime. Enfin, je demanderai à mon éditeur si on peut venir. Voilà, c'était tout. Donc voilà, le spécial Strange, il est revenu. Merci aux équipes qui l'ont ramené. C'est un super boulot de qualité. C'est du comics book, de la revue comics Made in France, avec des séries, notamment Made in France. Mais c'est un beau mélange, comme à l'époque des années étranges, de séries internationales et de séries françaises. Donc voilà. Vivement la suite. Donc 15 septembre, on va pouvoir le commander. Ça va venir très vite. On va lire nos comics, Olivier, cet été qu'on n'a pas encore eu le temps de lire. Et à la rentrée, on se fera un grand plaisir avec Spécial Strange 2. Voilà. J'arrête de vous saouler avec tout ça. J'espère que ces émissions, ça vous plaît toujours autant. J'ai eu un petit peu de... Voilà, j'ai pas pu m'y mettre autant que je voulais sur les derniers canapés comics pour les derniers 10 jours passés, je ne dis pas bien ça. Mais du coup, j'essaie de vous donner rendez-vous, peut-être une deuxième fois cette semaine, en tout cas le week-end prochain, pour toujours plus de canapés comics. L'objectif, c'est de partager avec vous notre passion commune. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt pour le prochain Canapé Comics. Ah, et Maxime qui dit qu'il sera en commande avant le 15 septembre, bientôt, bientôt. Donc, on va pouvoir bientôt commander, précommander notre spécial Strange numéro 2. C'est une très bonne nouvelle. Super. Bah, Maxime et David, quand il aura eu le temps de visionner la vidéo, puisque je sais que David a des journées et des nuits parfois un peu chargées niveau professionnel, n'hésitez pas à me faire parvenir des news. J'essaierai de les relayer pour accompagner vos projets. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!